Gaston La Palma, fidèle à sa réputation, pluvieuse, verdoyante, assez jolie. Et donc encore aujourd'hui, il pleut. Bien, et bien nous voilà partis pour une petite promenade, je dirais pas de week-end, parce qu'elle va quand même représenter combien ? 15, 20, 30 jours. Non, pas 30 jours. Non. Entre 15 et 20. Donc il y a 2600 000. 2600 000 devant nous. Pour l'instant, avec une météo un peu. Comment on la qualifierait ? Pluvieuse. Ventée un peu. Mais ça devrait s'arranger. En tout cas, on espère retrouver du soleil. Et on espère que tout se passe bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison. Non, on est prêt. Caravana est prêt aussi. Et Caravana est prêt, ouais. Nous sommes J+1 après le départ. Nous sommes sur le cap direct, sur la Martinique. Et nous avons toujours entre 18 et 20 nœuds de vent, portant un ciel avec quelques nuages et une mer, voilà pour le moment qui s'est calmée, mais qui reste malgré tout assez forte. Voilà, tout se passe bien à bord, on n'est pas trop toilé, mais Taravana marche bien et la route est longue, donc on va ménager la monture, comme on dit. Alors nous sommes à J+1, 21h, c'est la deuxième nuit en mer qui commence et la lune quasiment pleine qui se lève. Juste au-dessus d'une couche nuageuse. La mer est un peu formée, mais le temps est beau et Taravana avance bien, donc pas de soucis. Donc, nous sommes samedi 28 novembre 2015, J+2 par rapport au départ. Il y a du vent et ça pousse bien, donc il y a une vingtaine de nœuds de vent. Et voilà ce que ça donne. Donc entre 19, 20, 22 nœuds de vent, une vitesse qui s'établit entre 6,5 et 7,5-8. On a un grand voile arisé à un riz et on est sous trinquette. Donc c'est tranquille. On pourrait pousser un peu plus, mais la route est longue. Et on va ménager la monture. Alors. En termes de navigation, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes partis des Canaries ici et nous sommes aujourd'hui à J+2 ici. La trajectoire du bateau vers la Martinique et la ligne rose qui est ici. Le problème qui va se poser à nous, c'est ces zones de calme qui sont sur notre route. Et donc, nous allons aller rechercher des vents un peu plus intéressants pour nous vers cette zone-là. Et puis retrouver les véritables alizés qui sont au sud et qui vont nous conduire pratiquement jusqu'à l'arrivée. Donc, en fin d'après-midi, on va faire un empannage pour descendre plus au sud, donc à la latitude des îles du Cap-Vert. Donc ça représente deux jours, trois jours de mer, deux jours et demi, avant de toucher des vents effectivement beaucoup plus stables et plus intéressants pour nous. Pour le moment, ça avance bien et ça avance sur le cap. C'est dommage qu'on ne puisse pas continuer ainsi, mais
Ça va trop nous ralentir si on continue sur cette route. Voilà, la suite dans quelques jours. J plus 3, c'est grand beau temps, mais un peu dans la pétole. Et donc on en profite pour faire un prélèvement de planton pour nos amis à Doroskov. Comme un grain peut en cacher un autre, ben on se méfie. Et comme dirait un certain Christian qu'on connaît bien, méfie-toi, méfie-toi encore, et méfie-toi toujours. Il se reconnaîtra, je suis sûr. Et voilà, nous sommes maintenant sous le grain. Et effectivement, le vent monte. Et ça va durer 10 minutes, un quart d'heure maxi. Ce qui permet d'avancer vite pendant un bon moment. Enfin, un bon moment. On en profite toujours. Entre 20 et 25, c'est déjà en train de mollir jusqu'au prochain grain. Donc toute la nuit va être comme ça, c'est assez sympa. Enfin, je rigole. Eh oui, il n'y a pas qu'en Bretagne qui pleut. Même au milieu de l'Atlantique. Et là, je peux vous dire qu'il tombe des cordes. Donc le grain est en train de passer et il nous amène effectivement beaucoup de pluie. Alors nous sommes lundi 30 novembre, donc dernier jour du mois de novembre 2015. Et écoute, c'est une journée qui semble bien commencer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un soleil franc et massif nous a rejoints, laissant derrière nous les innombrables nuages et grains divers et variés, plus ou moins méchants, déluge. La deuxième bonne raison, c'est qu'on va pouvoir sécher tout ce qu'on a copieusement mouillé pendant effectivement ces périodes de grains. Donc on voit, le Taravana est devenu un séchoir en fait. Et puis je dirais la dernière bonne raison. Ah non, j'allais oublier. À mon avis, c'est la principale d'ailleurs, c'est qu'on a un peu de vent qui est revenu. N'est-ce pas? Et ça, ça nous tire une épine du pied, en tout cas, espérons que ça dure un bon moment. Je pense que nous sommes toujours dans une zone dite de calme, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore rejoint les alizés, mais si ça peut nous permettre de faire la jonction avec la zone alizée, ma foi. Bienvenue à cette petite brise qui nous conduit gentiment à 4 nœuds, 4-5 nœuds à peu près. Hein. Donc sympa. Et la dernière bonne raison du jour, c'est que la boulangère a travaillé. Et donc nous allons pouvoir manger un pain frais. Que voici. Donc un joli pain frais, encore tout chaud. Et je peux vous assurer que ça sent effectivement comme dans une boulangerie. Donc on va laisser un peu reposer et puis je pense qu'on va tartiner copieusement ce midi. Donc l'organisation du séchoir après la journée de grain sur Taravana. Je ne dis pas qu'Andrea sèche, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle est simplement en train de lire. Alors cette fois-là, c'est quoi? Du français, de l'anglais? C'est en anglais. Et ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire qui n'a pas les tiennes. Marie avec Jacob.
D'accord. Bon, bah écoute. Japonise bien. Bon, tout ça sera bientôt sec. Comme je l'ai déjà expliqué, nous cherchons à sortir d'une zone de calme. Et donc la route que nous poursuivons est celle-ci. Alors, que nous racontent les fichiers météo pour aujourd'hui? Donc lundi, on va dire midi. Donc effectivement, nous avons un peu de vent, mais nous voyons bien que devant nous, il y a encore cette zone de calme. Donc espérons que tout ça va évoluer et que cette partie-là va se décaler vers la gauche. Et on le voit bien d'ailleurs, effectivement, demain, en principe, cette partie un peu plus bleu foncé montre que la zone vraiment de calme s'est éloignée vers la gauche. Donc notre objectif, c'est bien de rester à peu près sur cette ligne bleue pour garder un minimum de vent et rejoindre cette zone où, de couleur plus soutenue, indique que les vents sont aussi plus soutenus. Donc la suite dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Mais bon, c'est pas grave puisqu'on a du pain à manger, donc tout va bien. Toujours J+4, il est 19h, le soleil est en train de se coucher. Et à l'horizon, des centaines de petits nuages en suspension. Des nuages de beau temps, bien sûr. Nous sommes toujours à la recherche du vent, donc pour le trouver, on fait quelques dizaines de milles au moteur. Et voilà qu'un dauphin s'invite à l'apéro. Bienvenue, mon ami. Donc aujourd'hui, 1er décembre 2015, c'est J+5 pour nous. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce J+5? Nous avons déjà quelques bonnes raisons d'être contents aujourd'hui. Il fait grand beau. Le vent est enfin revenu. Absolument. Donc on a pu arrêter le moteur parce qu'on n'a pas assez de gazole pour traverser l'Atlantique au moteur. Ah, c'est clair. Troisième raison, les dauphins que tu as vu ce matin. Ouais. Famille de dauphins, on a pris une vidéo absolument magnifique. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme bonne raison? Eh bien, qu'on est le 1er décembre et qu'on est en short. Et je crois que ça, c'est quand même quelque part un privilège. Et ça, j'en reviens pas, ça c'est sûr. Et écoute, pour terminer, une cinquième raison, puisqu'on est à J+5, c'est que nous sommes sous spi et ma foi, c'est une voile qui est très jolie et c'est sympa. C'est sympa. Mm-hmm. Un joli spi rouge sur une mer bleue, translucide. Il manque quelques dauphins, mais on les a eu ce matin.
Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France. Alors, aujourd'hui, J+5, toujours, les travaux pratiques du jour vont consister à monter une ligne de pêche. Et de pêche non pas au macro, mais de pêche au gros. Avec les différents éléments qu'on nous a donnés avant de partir. Donc nous avons ce superbe leurre qui nous ont été offerts par Daniel et Marie-Françoise. Et puis, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi cette ligne avec des petits hameçons qu'on met en amont du gros leurre, donnant l'impression que ce gros poisson jaune est en train de s'attaquer à des plus petits poissons. Et ainsi donner l'envie à des plus gros encore à venir voir de plus près. Enfin, c'est ce qu'on espère. Alors comme je dis, nous allons assister à un grand moment de la pêche au large. Et tu peux me répéter ce que tu viens de me dire? Comme je dis, c'est bien dit, pêche au large, c'est pas pêche au gros. Très bien. Donc voilà, notre ligne est montée. Bah écoutez, on va la mettre à l'eau et voir ce que ça donne. Enfin bon, on se fait pas trop d'illusions sur nos dons de pêcheurs. Mais écoutez, il y a peut-être des poissons suicidaires dans cet endroit du monde. Et justement, on va les voir. Alors, nous utilisons tous les moyens du bord pour séduire les poissons et les faire mordre à la ligne, y compris les cancers et les sérénades quotidiennes d'Andrea. La preuve. Bon, ben voilà, l'opération de recadrage de notre route pour éviter la zone de calme est en train de se terminer. Donc nous avons commencé à rejoindre des secteurs un peu plus ventés, même si c'est encore faible. Et je pense que d'ici une dizaine d'heures, nous pourrons reprendre le cap direct sur la Martinique. Donc voilà ce que ça donne. Et tout ça en musique en plus. Hein. Nous avons quitté notre route directe à ce point-là. Nous avons traversé toute la route de calme, en partie au moteur. Et nous arrivons ici dans des zones effectivement où on voit des couleurs plus soutenues, donc qui indiquent des zones plus ventées. Et donc une fois qu'on aura rejoint ce point-là dans une trentaine de milles, on reprendra la route rouge directe sur la Martinique. Sachant que plus nous allons descendre en latitude et plus nous allons rencontrer des zones d'alizés favorables, extrêmement favorables. Donc voilà, première opération terminée et croyez-moi, c'est une bonne chose. Alors au final, comment s'est terminée la partie de pêche? Pas très glorieusement, en fait, on a perdu la ligne d'hameçon et le leurre. Par rapport à ça, deux hypothèses. La première, c'est qu'on est tombé sur un gros poisson qui a tout arraché. Et la seconde, c'est que j'ai mal attaché le tout à la ligne principale. À vrai dire, je pense que c'est la seconde hypothèse qui est la bonne. Donc, écoutez, on va faire avec les moyens du bord. Plus que ça à faire.